Bah, ça va plutôt pas mal, hein. C'est plus facile à digérer quand on a gagné que quand on s'est planté. Donc non, ouais, je vis comme dans un rêve. Je suis très très heureux de ma course et de mes Jeux de Londres qui ne sont pas terminés. Donc j'ai bien envie de continuer à en profiter parce que pour l'instant, les gens ne me renvoient que du positif, que du bonheur. Donc c'est génial. Je décidais de ne pas prendre de décision maintenant, de savourer ce titre-là, ce troisième titre, et ensuite on verra. On fait partie de l'équipe de France Olympique, donc on n'est pas là uniquement en compétition, juste voilà, dans notre sport. On est là vraiment pour faire partie et représenter la France, essayer d'apporter le maximum de médailles aux Français. Et c'est vrai que c'est un plaisir aussi, quoi, une fois qu'on a terminé sa compétition, d'aller supporter les autres et de découvrir certains sports, d'encourager des copains, parce que pour certains on les connaît bien, et c'est vraiment une aventure sympa. Aujourd'hui on est tous bluffés par Émilie Fer, hein, qui réussit quand même quelque chose de très grand, d'extraordinaire, de gagner voilà, après une saison qui n'est pas forcément évidente, avec toute cette pression, et donc ouais, je suis très heureux parce que je la connais bien Émilie, ça fait longtemps que je m'entraîne avec elle, et franchement elle a bien bossé.